Hello et bonjour. This special video will be in two languages, donc version bilingue pour cette vidéo spéciale. As you can see, my background has changed because I've been moving and finally have my own office. So I've been really wanting my base in that little space in my childhood bedroom, and it's become a bit difficult to focus over the last year. Donc l'atelier était vraiment l'un de mes grands rêves, genre un espace vraiment tout beau rien que pour le travail, pour la création, et c'est enfin devenu réel. So I promised some people a studio tour and will also present the tools that help me in my everyday freelance artist life for those who are curious. So it'll be quite an experimental format again, but yeah, let's do it. Allez, c'est parti! So, this is where I spend most of my time. Donc voilà la pièce où je passe quasi toutes mes journées. It's actually quite small, c'est assez petit, but yeah, still better than my bedroom where I just had a desk. Donc oui, c'est effectivement vraiment mieux que ma chambre où je n'avais qu'une seule table. And it's a rented apartment, so yeah, the sofa actually needs to stay there, but takes up way too much space. And yeah, I didn't expect my bunny to take up half of the room. Chamallow, ça va? Oui! Anyway, and then you have the owner's closet where I actually store all of my things. And I'll show you right after, so how I store everything in the second video part. Actually, the only non-negotiable thing I wanted in my new atelier was two tables. So one for computer work and content creation and another one for drawing. Ça me permet vraiment de travailler beaucoup plus facilement, notamment pour créer des vidéos où je n'ai plus qu'à poser en fait ma caméra sur la table juste en face, brancher le micro et tout va bien. And just for fun, this was my previous film setup. I always needed to get the ladder, to move the computer, to clean the background, and it would often take as long to just set up the whole space than actually filming the video. So it's really really a big step forward. J'ai d'ailleurs investi dans une table où on peut travailler debout, le modèle Sversta chez Ikea, qui fonctionne juste avec une manivelle sans électricité et c'est vraiment top. Et vraiment, que ce soit pour ajuster la hauteur pour filmer ou bien bosser debout quand j'en ai marre d'être assise pendant toute la journée, c'est hyper pratique. Au passage, tu trouveras toutes les références dans la description avec les différents produits si ça t'intéresse. So you will get all the references in the description below if you're interested. So for the computer, please just refer to the description with all the info because I don't understand a thing. I got it pieced together on demand last year and it works perfectly for Photoshop, Clip Studio Paint and video editing, which are my most used functions. I used to have lots of headaches working on a laptop and it definitely helped to switch to a desktop computer. And I especially feel the difference in the neck, leg and shoulders, which used to be very stiff and rarely bent down. Et il y a aussi eu beaucoup de tendinite à la main droite à cause de trop de travail en fait. J'ai investi dans une souris verticale et un tapis ergonomique qui m'aident vraiment à mieux reposer ma main. Donc en fait c'est vraiment un petit truc comme ça. Comme ça, c'est hyper pratique. On n'y pense vraiment pas au début, mais genre l'ergonomie est super importante, surtout si tu es assis toute la journée et que tu fais toujours les mêmes mouvements. Même si c'est un bureau à la maison, vraiment investi, c'est pour ton bien-être et pour que tu puisses continuer vraiment à faire ce travail et ce que tu aimes pendant encore de longues années. And yeah, seriously, please take care of your health and work environment. Otherwise, my office space is also equipped with a Broda, a free printer and scanner, which I use almost daily. The quality is excellent and I also use it from time to time for art prints to sell in my online store or at Artist Alley. There's just a little bug I think I didn't manage to resolve yet, like the main paper tray doesn't accept some thicker paper anymore, so I need to put every piece of paper manually in the back. But otherwise, it's pretty convenient at a fair price, especially concerning the ink refills. Dernier truc du côté informatique, une tablette graphique XP Pen 15,6 Pro
que j'adore vraiment. Pour avoir bossé pendant des années en fait avec une Wacom Atios S sans écran, qui est très bonne par contre pour débuter quand même, avoir vraiment un écran maintenant change totalement la précision. Genre la taille est juste ce qu'il faut et limite je serais même partante en fait pour le modèle supérieur, mais on a vraiment suffisamment d'espace et de place pour travailler confortablement. Le seul petit hic, c'est effectivement que la couleur à l'écran est plus vive que la couleur réelle sur l'ordinateur. Donc il faudra en fait légèrement retoucher la saturation, mais pour le reste, c'est vraiment un excellent modèle à un très bon prix. Anyways, let's go over to the drawing table. Donc allons-y pour le coin dessin. So the table here is actually a normal one where I can put my support drawing table or however you want to call it. I got it like over 10 years ago because I was like scoliosis and it allows me to draw without straining my back too much because I actually have the tendency to be sorry to bend over way too low over my paper. And it kind of feels weird now to draw on a normal table without it. So once again, take care of your body before it's too late, because a good work environment is definitely priceless. Sinon, tout autour, il va y avoir le matériel de dessin, notamment la gamme entière de Copic. Et ça tient en fait sur deux étagères emboîtables pour ranger des CD. Donc en fait, c'est relativement pratique. En fait, je les ai trouvés à Maison du Monde où on a énormément de rangements qui sont bien sympas. Un élève m'a récemment demandé pourquoi j'avais deux types de Copic différents. Donc en fait, on va avoir les Chow qui sont plus abordables et les Sketch qui ont un plus grand réservoir d'encre et qui sont deux fois plus. Ouais, et qui ont en fait deux fois plus de couleurs. Et de base, j'ai surtout choisi les Sketch en fait pour avoir le bouchon avec la référence dessus et genre pour pouvoir les sortir plus rapidement en fait de l'étagère quand je dessine. Et désolé pour le bruit, il y a Chamallow qui est en train de boire. Mais honnêtement, en fait, je le répéterai toujours, c'est vraiment un investissement qui était un peu inutile parce qu'au final, j'utilise toujours les mêmes couleurs, genre environ un tiers de la gamme, et les autres, en fait, me servent de jolies décos pour mes vidéos. Et ouais, on va pas se mentir, c'est un peu cher comme décoration, quoi. Chamallow, arrête! Now I also have those wire grids on my table with some artwork. As the space doesn't belong to me, I can't afford to glue or put holes in the wall. So for the time being, this is the best compromise to have a minimum of decoration. I definitely need some of my work around me to get into the mood and yeah, just to see what I've done already. So yes, that's my desk space and now let's go over to the art merch. Allez, c'est parti pour la partie stock et marchandises. La partie la plus importante de mon stock et les choses utiles pour gérer mon business, elles se trouvent en fait dans cette armoire. So that's really the most important part of my stock and business related stuff. And totally randomly, I also got the dresses that I usually wear at conventions because there's that little space and they fit perfectly. And this is maybe one third of my whole stock, as most of it is still at my parents' home. But there's not enough space here. It's kinda enough to do some online sales and in case of non-expected one-day event, and enough to last outside of con season. My ultimate dream workspace would be a whole floor because when you're just running a product-based business from home, it takes up so much space. And usually you need to stock ahead for several bigger cons one after the other during con season. You've got deliveries of your new products or restocks. You might also need to show store frames for exhibitions. You'll most likely have lots of study books and art supplies. I remember when I got my Illustrated Fairy Tales manga, which was the biggest delivery I have ever gotten, like 300 books with 200 pages each, and it was so overwhelming, like where am I supposed to store all of them? And 2 years ago, I started giving away some of my personal clothes and books to free some space in my bedroom, and it was kind of sad, but yeah, our house just wasn't meant to host a shop. But yeah, over the years I've figured some clever tips to for storage when you have a limited space, which we will see right now. Donc allons-y pour des astuces pratiques pour économiser de la place et ranger plus efficacement. Premièrement, la combo étagère et boîte, c'est vraiment top. En fait, j'utilisais des bibliothèques avant. Ici, j'ai vraiment eu un gros coup de chance avec cette armoire déjà préinstallée et relativement large.
Donc, en fait, sur le haut, on va avoir surtout les choses qui prennent beaucoup de place, type des blocs et des livres, où j'aime voir exactement combien il m'en reste et de quel titre il s'agit. D'une, ça te permet vraiment de prendre donc rapidement des trucs si jamais tu en as besoin. Et de deux, en fait, ça permet vraiment de voir d'un coup d'œil combien de stocks il te reste dans ton inventaire. For instance, so those are the last notebooks that, sorry, notepads that I have. And actually, once conventions start again, I will need to create new ones because this most likely won't last enough, for more than 1 weekend. And the art books here, for instance, they're actually the last ones that I have, but I will really keep this spot for the new ones. And the coloring books here, and Illustfairy over there need to be restocked as soon as I visit my parents. While I know that I just reordered 400 Illustfairies before COVID, it actually bothers me that I don't remember how many coloring books I have left at home actually. So if those are the last ones, then I really need to reorder new ones ASAP. And I really, I hate just not having enough space to have a complete overview of my inventory. Donc après, pour les petits goodies type marque-page, badge et stickers, je ne peux que recommander en fait des boîtes à rangement qui ressemblent à ça avec des tiroirs. Et c'est hyper pratique, genre pour stocker les petits trucs en fait qu'on perdrait facilement ou bien qui sont plus difficiles à ranger. Donc là par exemple, je vais avoir les badges, ici j'ai des marque-pages, etc. Et selon les objets, en fait, je vais encore un pas plus loin avec des mini-boîtes. Donc, par exemple, ici, comme pour les pinces, en fait, et les agrafes. Et on peut, en fait, vraiment trouver des petites boîtes comme ça, quoi, dans des magasins de bricolage ou bien de loisirs créatifs. Et, en fait, après, s'il y a encore de la place à côté des boîtes, comme par ici, par exemple, eh bien, en fait, là, je vais encore caler d'autres prints, des blocs et d'autres formats, justement, qui permettront, effectivement, de rentabiliser au maximum l'espace. Now, for the middle-sized objects that don't fit into drawers, I usually put them into small baskets. So, as you can see, here are my surprise packages, and this is actually the exact same basket that I'm using on my booth. And you can, and you can find them in various colors in, at the supermarket in the bathroom department, I think. Otherwise, as you can see here, for various prints and postcards, and so I got them all stored here. Actually, I just cut, I just yeah, cut the paper box they were sent in, and I really just store them like this. Bon, après, sinon, effectivement, je vais avoir d'autres rangements en tiroir pour tout ce qui sera papier, enveloppe, format A4 et tout. Donc ça va être relativement pratique et en fait j'en ai trois exactement de la même marque. Et en fait je les ai pris de la même marque en fait pour la simple raison qu'ils peuvent s'emboîter l'un sur l'autre. Donc ici on va pouvoir les mettre l'un sur l'autre et ça c'est justement pratique parce que si jamais je n'aurais pas d'étagère à disposition, je pourrais donc économiser de la place en les emboîtant verticalement. Et ensuite bah après ici on va surtout avoir un peu de matériel de dessin, de la paperasse et des papiers comme ça vers le bas. Mais en fait, en gros, tout ce que j'utilise régulièrement en fait est à hauteur des yeux et à portée de main immédiate en fait comme ça pour que justement je puisse travailler de façon beaucoup plus efficace et rapide. Last part here, there's a second closet which is pretty useless though and I can't zoom in out anymore. So it's here where I've been putting some random filming and photography equipment and like paper and drawing supplies as well as boxes with books and convention stuff here. And then the most important books I use as references. But really it's only a fraction of what I actually use and need. And I really don't like this part of the closet, which is so vast.
And it would be much neater actually with some shells, so I could properly store things to have an immediate overview of my stuff, because yeah, here it's totally messy and I don't like that at all. So really I can't stand things not being organized, and especially when it's work related. So yeah. Mais bon, donc voilà mon petit studio d'artiste, et c'est un format que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai toujours été émerveillée devant les lieux de travail d'autres personnes, et du coup j'en profite simplement pour terminer et me taper un peu la cruste chez Chamallow parce qu'il fait partie de l'atelier et qu'on aime tous voir des animaux qui sont trop mignons. Chamallow, tu viens chez moi? Chamallow? Bonjour. Bon, en fait, j'ai toujours vécu avec des animaux et ça m'aurait fait trop bizarre de ne pas en avoir ici. Ça permet vraiment d'avoir une petite présence qui rassure et à qui raconter ta vie en fait quand il n'y a personne d'autre. Bon, je caricature, mais quand tu es tout le temps en train de bosser seul dans ton coin, c'est un changement bienvenu. Anyways, I hope you enjoyed the studio tour and that you found some inspiration or good ideas to organize your own room. J'espère que ce format t'aura plu et t'aura inspiré ou donné quelques idées pour organiser ton atelier à toi. And please leave a little like if it inspired you, and I would love to know about you now. What is your dream workspace? Describe your vision in the comments so that we can inspire each other. And really, it may take some time to get there, but you can definitely do it. And even if you're not there yet, as long as you have the passion and motivation to do what you love, the space doesn't matter. You could really build a whole empire in a little room if you want. I mean, I've been drawing, improving, and building my business in the same small bedroom for 20 years. And yes, it was kind of impractical at times, but it didn't stop me to go for my dreams. It just maybe stopped me from buying too much stock because I didn't have enough storage place, but yeah, that's the detail. So yeah, thank you so much for watching. We'll get back to more concrete freelance artist tips next time. So if you're interested, please remember to subscribe to grow from art to business, switching between English et français every Tuesday at 6 p.m. See you next time.